Ensuite, je vais me déplacer ici sur le côté. Alors, il vaudrait mieux que tu aies le visage tourné de l'autre côté au moment où nous travaillons l'épaule ici du côté opposé. Et on va, pour simplifier les choses, faire des mouvements circulaires. Gardez le principe de cercle. Donc ici, par exemple, à l'intérieur du bord de l'omoplate, mes deux mains partent comme ceci, au milieu, en direction de la pointe de l'épaule, et j'enveloppe le dessus et le dessous de la pointe de l'omoplate, en faisant deux mouvements circulaires tangents. Et en enveloppant bien en dessous. Ensuite, je vais partir ici sur l'épaule. Et même chose, mes mains se dirigent sur le milieu ici du trapèze, de l'épaule. Et font deux cercles pour revenir au même endroit. Et les deux cercles étirent la nuque et l'épaule en même temps. Ensuite, je vais faire des cercles, même chose, mes deux mains descendent ici sur les flancs, s'écartent et font deux cercles tangents. Lorsque mes mains s'écartent, elles créent un mouvement d'étirement du flanc.